On est de retour pour plus de Callisto Protocol. On est prêt, le son est bon, on est nickel, on est bien, on est reparti. Donc on vient juste de s'arrêter là. On peut revenir en arrière ou pas? J'ai pas l'impression. Oh, je suis bloqué là. Ah, ça c'est pute ça par contre. Ouais, je suis complètement bloqué là. Encore que je me rappelle pas de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc je sais pas si on a loupé, si on a laissé des objets par terre ou pas. Donc du coup, ok, on y va, on avance. Alors, comment on fait pour passer? Il y en a deux ou un? Celui-là il bouge, lui il bouge pas. Alors lui il est peut-être mort. Ah d'accord. Attends, quoique peut-être... Yes! Ouais, si ça respire pas, on est bon. Ouais, si ça respire pas, on est bon. Et ouais, on l'a eu parce que... QTE! Assassinat. Yes, on est bon. Il y a des objets là. Il nous faut absolument... Je crois que la dernière fois, j'en parlais encore. Ouais, il nous faut absolument une réforge là, parce que là, l'inventaire, ça devient vraiment chiant en fait. En fait, là c'est devenu... Merde. Là c'est devenu chiant parce que je dois toujours... Toutes les 5 secondes je suis dans l'inventaire. Oh non. Plan du pistolet tactique. Allez, ça y est. Bah voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez ça... Ah, c'est un problème ça. Putain, mais on a que des super objets en plus. Ça c'est 750, ça c'est 200, ça c'est 100 je crois, ça c'est 500. On a 3 soins. Enfin, à la limite, on va jeter un soin ou l'utiliser, je sais pas. On l'utilise ou pas? Il y a peut-être une station pas loin, en fait. Ouais, mais attends, je vais pas l'utiliser. Si jamais il y a une station pas loin, on revient, du coup. On va juste le lâcher. Les plans, je suis quasiment certain. Encore une fois, je vais faire un exemple. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je crois bien que les plans, ils étaient à part dans les Dead Space. Si vous trouviez dans le 1 et 2, je sais plus comment lequel avait des plans. Ou peut-être c'est le 3, je sais plus. Il y en a certains qui avaient des plans. Il y a une caisse. Non. Et je suis certain que les plans, en fait, allaient pas dans l'inventaire normal. Mais c'était à part. Pour pas, du coup, encombrer l'inventaire et pour pas que ce soit embêtant. C'est marrant, on dirait qu'il est, il est éteint. Alors on va descendre. On avance. Ah, ma vidéo, elle fonctionne bien, hein. L'autre, où je parle de Callisto et les problèmes, là. Ah, bonjour. Merde, il est en train de muter. Tu peux mourir? La vache. Oh. Merde. Putain, j'ai tiré où? Oh, je sais ce que c'est ça. J'aurais dû peut-être regarder un peu aux alentours. Bon bah du coup on peut se soigner. Je vais revenir. Quoi qui fait ce bruit? Okay.
Ça fonctionne ? Make a selection. Ah si, ça fonctionne. Bah, c'est bizarre, on avait l'impression que ça fonctionnait pas. Bon bref. Ouais, la vidéo elle est en train de bien fonctionner, où je parle des problèmes et tout. J'ai l'impression d'être de retour à l'époque d'Anthem. Vu qu'elle fonctionne bien, il y a beaucoup de vues. Bon, dès qu'on passe les 301 vues, si vous savez pas tout ce que c'est les 300, les 301 vues, regardez sur Google, vous comprendrez. Du coup, beaucoup de gens les voient, il y a beaucoup de commentaires. Et les commentaires au début sont toujours bien, où les gens sont constructifs et tout ça. Puis après, ça devient un carnage pas possible. On dirait des enfants de du CP. Et les gens font du hors-sujet, mais d'une force. C'est incroyable, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pistolet tactique des opérations spéciales de l'UJC. Apprécié par les anciens officiers militaires pour son faible recul et sa cadence de tir élevée basée sur la plateforme d'armes modulaires de l'UJC. Basée sur la plateforme modulaire de l'UJC. Et ça, c'est quoi comme plateforme ? Basée sur... Oui, mais d'accord. Oui, mais ça, c'est une arme à une main, on est d'accord ? Ah, mais du coup, c'est pistolet tactique, ça veut dire que c'est des autres munitions que le Magnum ? Genre, pourquoi j'utiliserais le pistolet tactique ? Je trouve les armes vraiment nulles. Enfin, pas vraiment intéressantes. Putain, on a 3300. Attendez, je vais réfléchir. On va d'abord aller récupérer ce qu'il y a en haut. Ouais, les armes, je sais pas, je suis très confus. Alors, dans Dead Space, il y en avait énormément. Et honnêtement, bon, il y en avait... c'était pas tout très utile non plus, mais au moins, il y avait le choix. Là, déjà, de base, il n'y a pas énormément de choix, mais... Je sais pas, elles se ressemblent un peu. On va les prendre le soin. Genre là, le pistolet, entre le Magnum et le revolver, je prends quoi? Vous voyez un peu le problème? Ah, je peux pas sprinter. Ah si. Il était où le soin? Il était là. Vous voyez, c'est un peu le problème, je prends quoi? Parce que pour le moment, entre le Magnum et le fusil anti-riot, là, ça marche nickel. Hein. Mais ouais, pour finir sur la vidéo, je crois que je suis arrivé au moment où je ne lis plus les commentaires. J'ai laissé un message, j'ai dit aux gens de ne pas vous insulter, ce serait bien déjà. Et après, de ne pas faire du hors-sujet constamment. Pourquoi je parle du hors-sujet, c'est genre... ouais, on parle d'un problème d'un jeu. Il y a toujours un con... Je vais être honnête, il y a toujours un con qui vient et dit « Eh mais oui, il marche très bien sur PlayStation. » Ok, t'as ignoré tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Genre, j'ai jamais demandé ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ouais, c'est un peu catastrophique. Mais bon, ça fait des vues sur la chaîne, ça fait du monde, j'imagine. Les gens qui déforment tous les propos aussi, que quand on dit des propos et les mecs, ils prennent tout, ils décortiquent tout, genre, mais pas bon. C'est-à-dire qu'ils vont tout déformer. C'est ouf. Vous dites un truc, ils vont tout faire. Ils vont dire que t'as dit le contraire. C'est un truc incroyable, quoi. Mais ouais, les commentaires, c'est exactement les mêmes depuis Anthem. Donc les gens sont des clones des gens d'avant, quoi. Y a personne de. Y a personne d'intéressant. Y a personne de. Ouais, non, c'est. Voilà. C'est des gens comme tout le monde, au final. C'est la triste réalité. Personne n'est unique. Amélioré donc avec des balles explosives. Ouais, mais ça, on avait dit que ça. Je voudrais bien avoir des stats parce que bon, améliorer les projectiles des armes qui explosent peu après l'impact. Ils infligent des dégâts supplémentaires à tout ce qui se trouve dans le rayon de l'explosion. Ça m'intéresse. Nous, on a déjà le tir spécial là, des balles explosives. C'est sympa. Là, en gros, ça serait une AOE quoi. Mais combien de munitions ça utilise? Le double? Le triple? Le skunk gun, on va pas l'utiliser. On avait testé, c'est un peu de la merde. Le pistolet tactique, ça m'intéresse, mais... Oh là là. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Capacité en munitions. La barre, elle est à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire, 50%? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça m'aide pas du tout. Hein. Ça m'aide pas du tout, ces statistiques. Hein. Au moins dans les Dead Space, on avait les chiffres exacts.
Ouais, c'est toujours pareil en plus. C'est chargeur haute capacité, stabilité et les dégâts supplémentaires. Les dégâts sont vachement bas par contre. Ouais, bof. J'ai envie de. De prendre autre chose. Peut-être pas le fusil, mais peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, maximise, pardon, la production des dégâts. Ouais, les dégâts au corps à corps, parce que le corps à corps, c'est un peu le truc qu'on fait tout le temps. Et là, la probabilité de viser dans la tête, ça m'intéresse pas trop, ça. Par contre, après, c'est ça, genre, étourdissement passif avec l'agent subisse moins de dégâts lorsqu'il bloque, ça c'est intéressant. Et après ça, bloquer inflige des dégâts à l'ennemi qui l'attaque. Ouais. Mais je crois qu'on va prendre ça. On augmente les dégâts de la... De la matraque. Complete. Ah, j'aurais bien voulu je sais pas, des stats quoi, merde. C'est compliqué de mettre des chiffres au lieu d'avoir des trucs approximatifs. On a 3 soins. Ouais, okay. Je vais voir un peu la couleur. Yeah! Yeah, ça c'est classe ça. Parfait. On pourrait se soigner. J'ai un peu envie de le faire, mais je pense qu'on peut encore prendre quelques coups si au pire. Donc. Il m'entend même pas quand je tombe comme ça, c'est ouf. Voilà, c'est pour ça que je me soigne pas. Vous voyez? Ça devrait même pas exister à la limite. Ah, on peut passer par? Non. Ça devrait peut-être même pas exister, le fait de récupérer de la vie comme ça. Parce que du coup, ça vous pousse à... Enfin, moi, en tout cas, ça me pousse à pas vouloir me soigner. Donc, de pas utiliser des ressources, de pas jouer le jeu. Dans un sens, vous voyez ce que je veux dire? Comment le machin m'a entendu? That was close. Oh, maintenant que j'y pense, il n'y avait pas des ennemis qui étaient attirés par le son dans Dead Space 3? Je crois. Je crois qu'il y en avait. Il y a même une quête secondaire là, un lieu où on n'est pas obligé de faire sur la planète enneigée. Je crois, avec tout plein de trucs. Caution. Attention. Oh, en parfait état. C'est encore 750, quoi. Par contre, je vais peut-être utiliser le magnum. Je crois que j'ai un peu plus de balles. Pas quoi que j'ai cartouche aussi. On va utiliser un peu le magnum. Ah merde! Ils m'ont pas entendu? Ah, peut-être celui-là de gauche. Il a l'air excité, non? Il y en a 4. Ok, on va prendre le fusil du coup. Il me faudrait des grenades. Je sais qu'il y a des pics, donc on peut les envoyer dans les pics. C'est pas vraiment un problème, mais... Ils ont rien entendu, j'étais à côté. Ah. Non, oui, non. Non.
C'est pour ça que l'infiltration, c'est très difficile à faire dans un jeu, j'ai l'impression. Genre, qu'est-ce qui va faire que l'ennemi vous voit ou pas? Honnêtement, faire une assassination comme ça, personnellement, je ferai en sorte que les ennemis attaquent, en fait. Bon, bah voilà. Avec de la chance, on va être full vie. Ou plein de crédits, peut-être. Plein de crédits. Enregistrement de Lyon, journal de terrain 2. On va voir un peu. Lyon, terrain 2. Mission log supplemental. Dr. Lyon reporting. They came out of nowhere. Killed Sandy and Warren. They must have escaped from Arcus. Trapped for Yeggy. Evolving and adapting down here in the dark. I've contacted Mahler. Requested immediate evac. I just hope she sends help soon. Merde, le piège. C'est ma faute. J'ai pensé à vouloir regarder avant de foncer sur le soin, mais voilà, je l'ai pas fait. Ma faute, là je mérite. Je mérite. Mais on est plein de soins. Donc ça va. Ah oui, un truc que j'aimais bien faire dans Dead Space, c'est augmenter notre tenue. Genre augmenter la vie, les trucs comme ça. C'est cool, là on peut pas le faire. J'ai l'impression que je passe mon temps à parler de Dead Space en fait. Désolé, j'aime le jeu. Peut-être qu'il me... à la limite il me manque un peu. Faudrait que... ouais bah ouais, je joue au 3. Gary Light. Je regarde de la lumière. Je peux pas... ah mais non, mais c'est pas le même. J'aurais dû peut-être faire un... me jeter en mêlée en fait. Et le balancer contre les pics, n'est-ce pas? Ok, lui par contre c'est un son. Personne. Est-ce que... en fait, ils sont pas très très... là, quand même, tu veux m'entendre? Non? Ouais, là, c'est bon. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un autre. Il est genre à côté de moi. Ce qui est juste en bas, en dessous, j'en sais rien. Ah! Il doit être juste là. Il est juste là. Alors attends, où sont les pics là?
Aïe 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 aïe, on a fait de la merde. Deux cartouches pour rien, c'est bien. Parce qu'on avait peu de puissance et du coup ça a lâché, j'aurais dû faire attention, c'est ma faute. Y'a un truc là? Non. D'en avoir beaucoup. Suivant. Oh merde. Don't make a sound. Si par exemple je prends l'explosif là que j'ai vu et je le fais péter quelque part. Est-ce qu'ils vont aller vers l'explosif ou ils vont aller vers moi? Un truc que je dois savoir. Ça. Pourquoi ils ont l'air excités là tout d'un coup? Il y en a au moins 4, enfin, voire plus. Au fond, il y en a encore un. Oh, il y en a 5 là, en fait. Et un 6e au fond, du coup. Okay. Ça fait beaucoup. Ah, mais putain, mais c'est trop beau, là. J'en ai eu qu'un seul. Et ils vont vers moi, c'est con. Genre, ils savent d'où ça a été envoyé. N'importe quoi. Par contre, faudrait que je reste proche de... des pics. Non, c'est bon. Ah, lui, il a été touché, mais il est pas mort. Alors, lui, il va être louche. J'avais une tellement belle brochette, j'ai tout merdé. J'en ai tué un seul, quoi. C'est ouf. Incroyable. Extrêmement fier de moi. J'ai fait exprès d'éviter de les toucher, tous. Oh là là, doucement. Si j'arrive à me... Yes!
La caméra, elle est embêtante, elle se remet toujours vers l'avant. Automatiquement. Je voudrais qu'elle se mette dans la direction que je choisis, en fait. Oh oh. Merde, il va sortir là. Enfin, je crois. Ou pas. On va se faire celui-là. Je sais que j'ai pas pris ce cadavre là, il faut que je le fasse. Les autres étaient trop près, j'avais peur que ça fasse du bruit. Faut pas que je m'approche de la porte, je sens que la porte elle va bipper ou un truc comme ça, non? D'accord. C'est pas la direction que je prenais, mais c'est pas grave. Je voulais backstab celui-là, mais... Bon, bah voilà. J'avais oublié qu'il pouvait sortir des cocons, là. Eh ben... Je crois qu'on a tué tout le monde. Ah, là, cocon, peut-être. J'en sais rien. On va aller voir là. Enfin, si on peut passer. Non. Eh ben, ça fait beaucoup de... Beaucoup de morts. Oh. Héros, il est là. Non mais attends, l'autre il vient. Le temps que je le backstab avec l'animation, il sera là. Donc on va attendre un peu. Par contre, t'es à moi. Non, 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 là. Un truc, c'est que si je bouge ça, par exemple, si je... J'ai envie de tester. Si je bump ça, est-ce que ça fait du bruit? Est-ce qu'il va vers le bruit? Genre ça par exemple. On peut le faire tomber? Ouais. Ah ouais, non, ça fait pas de bruit en fait. Ils sortent un peu de n'importe où quand même. Du coup, ça c'est du secondaire ou pas? Ah oui, il y a ça aussi. Alors, trouver la carte d'accès des tunnels d'alimentation. Danger. Wear protective clothes. Ok. Là-bas, j'ai une armure du futur, c'est bon. C'est supposé être le transport hub.
Choose an item. Parfait. Du coup, notre vie, c'est quoi? C'est full. The UJC is here for you. J'ai 2 stacks de pistolets, 2 stacks de cartouches et 3 soins. 3 soins et full vie. J'ai 1500. 3 soins et full vie. Augmente le taux de recharge. C'est 300, 900. Ça fait 1200. On pourrait prendre le niveau 2. Après, la projection, c'est pas vraiment ce qui fait mal. Après, est-ce que ça va... Dans un autre jeu, il montrait... Je crois que... Est-ce que ça augmente la distance à laquelle ça projette? C'est ça que je voudrais savoir, en fait. La vitesse de lancer, en théorie, ça devrait lancer aussi plus loin. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Augmente davantage la force de lancer, la cible peut être gravement blessée, même perdre un membre. Allez, on va faire ça. Complete. J'aurais peut-être dû sauver un peu de... Garder de côté de l'argent pour avoir le niveau 3 là, de la charge. Mais bon. Je pense que ça, si ça me permet de lancer plus loin, ça va être vraiment utile. Surtout qu'il y a des pics un peu au plafond des fois, enfin au plafond, sur les murs en hauteur. Ouais. C'est marrant, c'est rouge puis après c'est bleu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Carte d'accès. Qu'est-ce qui se passe avec les coffres? No power. But those cables lead to a generator. Les câbles? Où tu vois les câbles? Genre ça? Non. Regardez, là c'est bleu, là c'est rouge. Il y a un truc à faire avec ces coffres. Genre si je le regarde pas, est-ce qu'il va devenir rouge? Genre c'est quand je m'approche, ça devient rouge. C'est peut-être pas des coffres en fait, j'en sais rien. Bon, honnêtement, j'ai pas compris là de. Je vois. Genre, tu me dis des câbles. Jacob, je vois pas de câble en fait. Genre ça. Genre, ce câble mène au générateur. Genre, c'est quelque chose d'évident du coup. Je suis débile. Non, c'est pas grave, je dois être débile. Ça va bien. Ah mais putain, mais va utiliser la carte pour ouvrir la porte, je suis con quoi. Désolé. Oui, les câbles ils sont là. Voilà. Ah des fois, hein. Pas fut. All systems operating within normal parameters. Pas le plus brillant hein, des fois, hein, j'avoue.
Bon, on avance. Tu dois pas la... La swipe là, la glisser. Tu fais ce que tu veux. Localiser le réacteur d'alimentation. Droite, gauche. On va aller à droite. Hard hat. Shilan Yun, journal de Terrain 3. Those things, they killed them all. My whole team is gone. I tried to restart that old platform to get back to Arches, but there was no power. I can hear them. They're everywhere. They're getting closer. Dr. Mahler, if you hear this, did you know what was down here? Did you? Excusez-moi, on va regarder. Ok, ça va. Encore... Ah merde, pardon. Je vais pas mettre pause. Ah, encore 4 places, ça va. Il y a un explosif en bas. On a des pics derrière. Ce passage est cool. J'ai envie de dire, ce passage est sympathique. Non, 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 putain, mais tape pas à côté de la bombe, tape la caisse. T'es fou, quoi. Ouais, ce passage est cool, mais c'est rien de très nouveau, quoi. C'est pas palpitant non plus, quoi. Il faut pas que ça dure 3 heures parce que... Alors attends, reviens. Parce que je crois qu'on peut passer en haut en fait. À gauche. J'ai l'impression que ça faisait une bonne ligne droite. Donc je dirais que la portée a été augmentée aussi. Je suis à côté du truc. Et il s'en branle complet quoi, c'est ouf. Celui-là. Putain, Jacob! Mais t'es con ou quoi? Celui-là? Merci. Tape dans la direction, Jacob. Ne pense pas. Ne fais pas de... Ne cible pas par toi-même. Fais-moi confiance. Je t'ai maintenu en vie jusque-là. Je vais continuer. Fais-moi confiance.
D'avoir encore 2-3. Ah, on peut pas prendre ça et les balancer pour leur couper la tête. Merde. Oh putain. Toi, tu me fais chier, toi. Je commence à être impatient parce que ça commence à me gaver. À faire 20 minutes qu'on fait ça quand même. Ouais, ça commence à être un peu long. Je vais être honnête. Qu'est-ce que tu fais, Jacob? En plus, il y a beaucoup d'espace en fait, même si on est méga lent pour trottiner. Enfin, trottiner. Pour se dé... Qu'est-ce qu'il me fait, Jacob? Pour se déplacer, on n'est pas vraiment en danger. Ah, peut-être que là, attention. Non. Après, c'est pour montrer que bah, y a une grande colonie en fait de créatures. Quoi. Merde. Y a quoi là? Des ressources. Ah! Ah! Pourquoi ils sont comme ça? Est-ce qu'ils communiquent? Ah, genre là, il nous faudrait le tir explosif. Là. Ou une grenade. Genre là, je peux pas les faire, là, par exemple. Ah, ça c'est embêtant, là. Ah, j'avoue. On a ça, on va faire ça, mais... Ok. Pardon. Et le troisième ? On a plus de recharge. Enfin, faut attendre que ça revienne. Radioactive area. Est-ce qu'on s'en fout de ça? Au point où on en est, hein, j'ai envie de dire.
Notre futur, il va pas être très très long, hein, je crois. Merde. Je vais être honnête, je sais pas si on a le temps de réagir. Je sais qu'on les voit sortir, mais... Peut-être en jouant à la souris, peut-être. On a le temps de dégainer, de bien viser. Mais jamais, moi, j'y arrive. On devrait s'entraîner, quoi. Ça, ça, on est full vie parce qu'il nous a laissé de la vie. Très bien. 1300. Alors du coup, 1300, qu'est-ce qu'on fait? On attend pour quelque chose d'intéressant ou pas? On pourrait faire ça. On pourrait faire ces deux niveaux, comme ça on a le gant à haut niveau 2 partout. Je pense que ça pourrait nous aider au lieu d'attendre vraiment le maximum et tout ça. Améliore la vitesse de recharge du GRP moyenne. Ouais, on va faire ça. Quality check. Verified. The UJC appreciates your productivity. On est très productif. Nickel. Hop. Attends. 4 de santé, on va en virer. The UJC is here for you. Tu veux voir un peu nos munitions? 31, 31, ouais. Non, on est très bon. Do not touch. Touch quoi? Ne pas toucher à quoi? Je vois. On a encore des créatures. On the generator. I hope it still works. On a un putain de projecteur en fait sur l'arme. Mon dieu. Ça va méga loin quand même. Bon, par contre, le machin, putain, c'est ancien. Tout rouillé. Ouais, enfin, ça fait partie de la première colonie, mais putain. Don't make a sound. Encore, c'est la même chose. Au moins deux. Ah merde. Je vois rien du tout. Mais... Vise! On a fait tomber ça. Merde. J'ai voulu esquiver, fallait pas en fait, fallait juste shooter. Ouais, ah, j'ai mal joué là. C'était pas un truc de son. Ah là ils ont. Là ils m'ont bien eu là.
C'était pas ceux qui réagissent au son, c'était un normal en fait. C'est pour ça que je me suis dit, putain, on peut pas le backstab, c'est, il est où le truc de... Genre le prompteur, il est où? J'aurais dû... Honnêtement, j'ai tiré. Parce que... Bon, ça me manquait un peu l'action quand même. J'ai tiré au shotgun, j'ai fait quasiment toutes mes balles, mes cartouches. Bon, enfin, mon chargeur en tout cas. Mais en fait, j'aurais dû complètement les attraper, les foutre dans les pieux. Rapidement, en fait. Même sans tirer, ça aurait été nettement mieux. Ah, c'est un truc qui crache. Okay. Je l'ai tué ? Apparemment, je l'ai tué. Je voulais l'agripper, mais en fait, oui, non, c'est super loin. Je pensais que c'était plus proche, les pics. Mais je l'ai agrippé, je l'ai tiré, du coup, quand j'ai tourné, comme ça. Et, bah, du coup, ça l'a... Bah, je sais pas, ça l'a tué. Bon, par contre, ça a épuisé ma barre d'énergie. Attends. Je vais pas me plaindre. Un bon monstre est un monstre mort. Ah, toi. Pas que toi, en fait. Tu te baisses. D'accord. Je l'ai tué quand même. Okay. Très bien. On a un explosif juste là. Jamais on a besoin. Donc je passe par là. Maintenance. À gauche et droite. Ouais, vous débrouillez. Ah, faut peut-être monter et après aller à gauche, peut-être. C'est ce qu'ils veulent dire. Je sais pas. Bah non. Par contre, c'est sombre, c'est relou. Enfin, on a une lampe, mais on peut pas la garder indéfiniment, quoi. Il braque pas son arme tout le temps. Ça va faire un boucan. Ah non, même pas. Ah, ok. Ça marche. All systems operating within normal parameters. Du coup, on est full vie parce qu'on s'est soigné, donc on va en vendre un.
500. Il y a un mec là-bas, non? Non. Ça va être quoi? Une sorte de puzzle? Ah oui, il y a un truc aussi, il y a une différence dans de Dead Space. Dead Space avait quand même des puzzles, au final. Alors c'est des puzzles à la Resident Evil, hein, j'ai envie de dire. Genre, enfin, les nouveaux, les modernes. C'est-à-dire que les puzzles, c'est pas énorme, mais... Mais il y avait des puzzles. Waouh, ça fait de la lumière et tout. Oh oh. C'est un son, ça? Ouais, c'est un son. Ouais, c'était genre mettre une batterie par-ci, après une batterie par-là. Il y a un peu le même système là avec les fusibles, hein, je vais être honnête. Mais après, il y avait quand même des choses... Je sais pas comment expliquer, parce qu'avec des mots, honnêtement, sans visuel, c'est chaud à expliquer. Mais il y avait quand même quelques puzzles et tout, des trucs à faire. Il y en a deux. Ah mais attends. Je peux faire ça. Merde, pas ça, putain. Très bien. On est un peu bas. Ok, on descend. Un peu beaucoup. Encore heureux que j'en ai tué un. C'est en train de se resserrer contre moi, c'est pas bon ça. On a fait voir. On en tue un au moins. Je suis entre les deux. OZF complet. On s'en fout. Hop là. Voilà, très bien. Il y en a un là-bas. Il va me faire chier. Et ben voilà. Nickel. Ça, c'est le disjoncteur, j'imagine. Ouais. On va juste faire un petit tour avant. Ouais, j'ai rien dit. On y va, disjoncteur. Ok, one to go. Ah, le troisième. Putain, encore un. C'est encore des sons. Ouais, genre. Oh la vache.
Merde, il m'a entendu. Non, même pas. Oh là 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 là. C'est pas une course, c'est un marathon. Oh merde. Lui, c'était mal placé. Encore deux, peut-être même trois. Que c'est fini. Oula, oula, oula! Qu'est-ce qui se passe? Tombe pas? Ça me fait peur. Ça, ça me fait plus peur que les monstres. Ok. Si c'est pour mettre des flèches partout, donne-moi le même système qu'Isaac, hein, honnêtement, pour me retrouver. C'était vraiment top. Et hop là, le troisième, on y est. Ça a l'air pas les créatures. Pourquoi ça a coupé comme ça? Attends, là. Bizarre, là, ses paroles à lui, ça a coupé. Oh putain. Mais attends, on l'a fait ce passage, non? Il y a un autre truc qui est sorti? Ou c'est que lui? Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que... Je veux bien que vous mettiez des monstres comme ça, là, qui sont super vénères quand ils entendent... Et encore, honnêtement, ils ont... Ils ont pas l'air plus vénères que les autres, honnêtement. Mais genre, il faut être silencieux et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va faire quand même 30 minutes qu'on fait ça, là. C'est au bout d'un moment...
y a plus de peur, il n'y a plus rien. Là je, par contre, je commence un peu à m'ennuyer. Donc, encore heureux qu'on a fini et qu'on sort là. C'est quoi ça? C'est encore un son? Je crois qu'il y en a un autre derrière nous. Non. Ouais, on tire plus loin. Hein. Ouais, quasiment. Ouais, sûr. Ça, c'est cool. Puis en plus, je veux dire, ils sont un peu aveugles, les machins, quand même. Donc bon. Mais merde! Attends, putain, mais... Jacob! Oh là là, Jacob! Quelle merde. Je me suis bloqué dans... Dans un combat, il m'a engagé en fait. Je me suis fait engager tout simplement. Je me suis fait engager et je pouvais pas me désengager en fait. J'arrivais pas à me désengager proprement. Ah oui, aussi il y a un petit problème par rapport au combo. Alors je sais, j'en parle beaucoup de ce gameplay, mais c'est difficile à faire. Enfin, gameplay, il faut y jouer en fait pour vraiment comprendre purement. C'est que quand je commence à taper et que je suis dans un combo en fait, je peux pas genre directement viser. Le seul moment où je peux viser, c'est quand il y a le cercle bleu là. Et là, c'est une riposte ou je sais pas quoi, genre un enchaînement avec l'arme à feu. Et là, il va directement en fait se viser et on va pouvoir tirer. Mais si j'essaye de le faire entre deux coups, il faut attendre que l'animation se termine en fait. Donc bon, si on fait l'enchaînement avec le cercle bleu, bah, l'animation, bah, le jeu il la zappe. Mais sinon... Sinon il la zappe pas, il faut l'attendre. Donc le jeu il fait un peu ce qu'il veut en fait. Donc ça c'est un problème. Donc c'est pour ça que des fois le mieux c'est de... Juste de prendre des coups ou alors de bloquer et de courir en fait. Et de pas taper, parce que si on commence à taper en fait on peut plus vraiment s'arrêter tant qu'on n'a pas fini le combo, c'est ça que je veux dire. Quand il y a plusieurs ennemis hein, je parle. T'en as tué une trentaine. Tu sais, au bout d'un moment, un de plus, un de moins, t'en as tué une trentaine juste avant. J'ai envie de te dire, ça fait pas vraiment de différence. Du coup, on y nous manque plus qu'une seule arme. Parce qu'elles sont affichées à chaque fois. Il nous manque plus qu'une seule arme. On peut les voir aussi avec les munitions, je crois. Genre ça, c'est le magnum. Ça, c'est les balles pour le... Comment ça s'appelle? Le crunk. Skunk. Skunk gun. Riot Gun, ça, ça va être le revolver du coup, enfin pas le revolver, comment ça s'appelle? Le pistolet tactique, et maintenant il reste plus qu'un dernier. Il n'y a pas beaucoup d'armes hein, du coup hein, dans le jeu. Ah, vous vous rappelez dans Dead Space 3, il y a des petits robots, ils peuvent parler si vous achetez un DLC, et ils disent des trucs genre, heureux de pas vous voir, ou des trucs comme ça. Ils sont super horribles, j'adore les répliques qu'ils ont. Et pour récupérer des ressources, ça c'est super cool aussi. Genre c'est une sorte de mini-jeu dans le jeu. Quoi. Genre aller aux bons endroits pour... Oh! Ah t'es sérieux? Ok. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va... C'est quoi, c'est la fin du jeu ou quoi? What the fuck?
What? Non mais tu te fous de moi là? Attends, on va aller vendre des trucs. Pourquoi tu me donnes autant d'objets? Choose an item. Non, c'est pas dans l'ordre. 12, 12, 8, on va les virer. Pour les balles, on va virer un stack. Pour la vie, on va en virer un. 1300. Il y a combien de balles? 34, 32. Ah ben putain. Attends, c'est quoi ça? Merde. Munition pour le canon. Ah merde, est-ce qu'il faut les garder parce qu'il va y avoir plein de combats? Enfin, honnêtement, j'ai plus que ce qu'il faut. Hein. Bah on a plein de... On va garder tout ça sur nous. On va pas les vendre. De toute façon c'est que 10 donc c'est pas grave. Je vais juste sauvegarder. Okay. C'est que 10 de crédit. Donc on va tous les garder sur nous. Donc si on doit les jeter, bah on les jettera. C'est pas... On perd rien. Mais du coup s'il y a du combat, let's go. Ça c'est bien, on a plein de munitions pour le fusil et le gun quoi. Très bonnes armes. Ça vous rappelle un autre jeu quand on est sur une plateforme là qui bouge comme ça ou pas? Oh la vache! Quoi? D'accord. Ah, ce qu'on va faire, on va sortir le magnum. Et vu qu'ils sont en train de muter à puissance... à vitesse rapide, là, on va faire le tir secondaire du magnum. Ah non, je dois tout me refaire. All systems operating within normal parameters. Il faut que j'utilise la force aussi. On va devoir tous retaper. Ok, on va aller vendre un peu des trucs. Ouais, autant utiliser le pistolet parce qu'il a le... Le tir spécial. À la limite, là, oui. Là, le fusil, il aurait été bien d'avoir augmenté à 2700, là. The UJC is here for you. Là, j'avoue. Ah oui, un truc, c'est que le soin, on n'a jamais le temps de l'utiliser, en fait, dans le jeu. En combat, je parle. C'est toujours un soin, en fait, de hors combat. Je sais pas si je suis très fan de ça, au final. D'autres. Vous voyez la sauvegarde, comment c'est relou? J'en parlais hein, dans ma vidéo. Les gens, yéniens, c'est pas relou, c'est bien. Ah ouais. Ouais, c'est vachement bien. Ça sauvegarde pas ce que j'ai fait dans l'inventaire. Choose an item. Alors, ça. Les balles, on va les garder. Attends, je crois qu'il y a beaucoup d'objets dans un des coffres. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir à chaque fois. On peut passer... Non, on peut pas enjamber.
balles. Ça, c'est des batteries. Ok, 3 batteries. Et là... Ok. Ok, là, c'est pas mal. Alors, 3 stacks quasi pleins de pistolets, c'est ce qu'on va utiliser. 2 soins qu'on peut pas utiliser en combat. Et on a des batteries, et il y a des batteries aussi par terre. Let's go. Ah, je vais pas me faire chier, hein. Je crois que j'ai récupéré toutes les batteries au sol. Ah non. Il doit encore m'en rester 2 ou 3. Je vais pas les combattre parce que ils sont déjà en train de muter en fait. Ou alors il faudrait tirer sur leurs tentacules très précisément. Laisse tomber. Bon bah voilà. On ne récupère pas de ressources d'eux, mais c'est pas grave, honnêtement. On n'en dépense quasiment pas, là. Ça a sauvegardé, donc ça devrait bientôt être fini. Ah, c'est con de pas avoir un casque, hein. Qu'est-ce qui se fait? Ah. Oh, c'est quoi ça? C'est nouveau ça? Ah. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se coupe en deux. What? Mais... Mais nique-toi, le machin il m'a one-shot. En plus j'étais super bien passé. Le machin il m'a one-shot, c'est pas un peu abusé? Enfin, je crois pas, je dois être à 90% de ma vie quoi. Bon bah... Je peux pas l'attraper par contre. Et j'ai pas de stase. Ah. Allez, esquive.
peux le taper ou pas? Ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien. Ok, c'est bon, on l'a déjà vu. Enfin, je sais pas si ça sert à rien de le taper avec la matraque, mais c'est trop dangereux, en fait, parce qu'avec un coup, il me met en animation dessus de mourir. Ouais, non, ça sert, on peut pas. Putain, la visée! Elle est à l'ouest, quoi. Faut que je me recharge. Non! Putain. J'imagine qu'il est vachement dangereux quand il est à deux, mais quand il est seul, il a pas l'air de... Oh merde, je suis bloqué. Me touche pas. J'aurais dû plus le combattre, en fait. J'ai pas d'esquive, en fait, si je combats pas. Je peux pas faire de roulade et partir, genre. Donc je reste très loin, en fait. Si je veux faire ça, si je veux partir comme ça. Oh mon dieu, non! Je peux pas attraper des choses et lui balancer. Je vois rien. Ok, ça va être l'heure du combat, du duel. Change d'arme. Les cartouches, je les mets pas pile sur lui, quoi. C'est quand même qu'on peut esquiver et recharger, quoi. Imprimante CPU. Je vais être honnête, le combat il est médiocre. C'est... Bah le truc il est comique et tout ça, je suis d'accord, mais... Ah c'est une éponge. Bon après moi je suis en difficile, hein. Donc je vais pas en parler de ça, de sa vie. Mais ouais, esquive droite, on tire, esquive gauche, on tire, esquive droite, on tire, enfin on fait... Pardon, on fait ça et on s'arrête pas quoi. Des composants qui peuvent être vendus, ah oui. Ça juste, ça dit ça. Donc, bof.
Pas très fameux quand même. Arden Jedha. Arden Jedha. J'ai l'impression que, en fait, le gameplay, pour moi, c'est ou trop facile, ou trop difficile, parce que ça marche pas exactement comme prévu. Et quand ça marche trop bien. Donc pour moi, c'est... Bah du coup, c'est pas très très... Pour moi, c'est aléatoire. J'appelle ça aléatoire, du coup. On ne sait jamais stable. C'est ou très difficile ou très simple. Colonie. Danny, I made it. Great. Where are you? Some kind of service tunnel. I'm on the other side. Just keep going. You're almost to the colony. Localiser l'ancienne colonie. Mais l'ancienne colonie, ça doit être pire, non? Ou alors tous les monstres, ils étaient dans la zone de minage. Après, j'imagine que si elle y est, ça doit pas poser de problème, mais... Ah, pas monter. Oh, coffre. Nice. Un paiement de CPU en parfait état cette fois. Ah, on va pouvoir augmenter un truc à 2700 là, je suis sûr. Avec tout l'argent qu'on s'est fait. On n'a pas énormément utilisé de choses. On a utilisé que les balles. Mais on a encore 27 cartouches, ça va. Le magnum, je l'ai épuisé. J'ai pas arrêté de faire le tir spécial là. Balle explosive de feu ou je sais quoi. Alex Wang. C'est ça la colonie. Ah oh, non. Oh là là. On paraît que c'est bourré de bestioles. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, on a notre copain shotgun, ça va. Journal de mineur 2 de bar. Told them it was a complete waste of time, but UJC wasn't having it. Now they got my whole crew working OT. I just hope they find whatever it is they're looking for. Ça va, c'est stable. T'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des trucs de son. Bah ouais, enfin c'est la colonie, hein, comme je disais. Je suis pas surpris. Hein. Pouvoir se refaire les poches. Ah, on va visiter toute la colonie. Hein. On va pas se faire chier. Sûrement plein d'objets en plus.
l'ai activé, lui. Ville verrouillée. Bon, quand est-ce qu'on va appuyer sur une touche ou jouer un levier ou baisser un levier, faire un truc et ça va faire plein de sons et tous les créatures vont arriver. Je vais être honnête, je l'attends un peu ce passage. Je suis sûr qu'il va avoir un passage comme ça. Oh, il y a un truc là. Ah merde, mais attends, il est contre... Ouais, c'est bon. Oui, c'est vrai que si je prends pas l'objet... Ok, très bien. Qu'est-ce qui me manque? Celui-là. Pistolet à point. Quoi? Canon. Oh, ok, on avait un bug. Dans les mains. On est d'accord qu'on avait un pistolet. On n'avait pas le magnum, hein. On avait une autre arme. Je crois que c'est parce que l'arme, elle était vide. Mais on n'avait pas le magnum augmenté, en fait. On avait un truc plus petit. Ah, là, par contre, tu fais chier, toi. Est-ce que ça vaut le coup de te tuer, en fait? J'en sais rien. Bah si, quand même, on a plein de cartouches. En plus j'avais la mauvaise arme sur moi. Oh. Mais que toi ! Caméra de la mort. Vous avez aimé la caméra qui est bloquée par le mur? Oh, regardez, c'est encore le pistolet. Regardez. C'est quoi ce bug? Hop là, là on a le magnum. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Ah mais, comme disent les commentaires, faut pas en parler des problèmes du jeu. C'est comme dans la vie de couple. Si vous êtes en couple et que vous avez un problème avec votre moitié, n'en parlez pas. Ok. Bon, allez, on avance. Let's go. Parce que je passe un bon moment, c'est juste des petits trucs comme ça qui font chier. Mais sinon, j'aime bien, là, c'est cool. Ça devient juste un peu long, je voudrais un peu autre chose que des monstres, là. Des monstres qui réagissent au son là, je voudrais un peu autre chose que ça. God damn, it needs an ID card. Oh sérieux. Danny, I can't access the elevator. This area is locked down. I didn't come in that way. Had to raid a security room up here to open things up. Security room?
look for one here. Merci. T'as pas genre une pas une corde? Tu m'envoies une corde depuis ta tour? Par contre là ils sont tous... On est assez loin je crois. Ouais, on est assez loin pour faire du bruit. Bon, c'était rapide. Darren Barn, mineur 3. Ah non, c'est peut-être pas ça en fait. Darren Barn, mineur 3. I've never seen anything like it. It came from down there, under the ice. The whole site's on lockdown. UJC's got a response team en route, but they gotta hurry. Something's happening. People are getting sick. Sous la glace. Donc quoi, c'est... Attends, est-ce que ça vaut le coup là, d'aller là-dedans? Ah, pas vraiment en fait. Security, c'est là-bas. Je viens juste de faire attention. Security, c'est à côté de la créature. Je sais pas si je peux passer derrière elle. Voilà. Nickel. C'est pas la première fois qu'ils font ça. J'ai l'impression qu'ils sont codés juste pour avancer quelques mètres quand ils apparaissent. Parce qu'en gros, bah, si vous vous arrêtez pas, vous, bah, vous lui foncez dedans. Mais après, après ils font demi-tour, quoi. Oh non, t'es sérieux? Merde. Attends, du coup... On va lâcher ça là, en plein milieu, comme ça... Si jamais je reviens ici, on peut le voir direct. Putain de ta mère! Bien joué. Bien joué, monsieur le monstre. C'est des munitions de... De pistolet, c'est intéressant, de magnum. Non, attends. On va les prendre, même si c'est genre une balle. C'est quand même intéressant. C'est deux balles.
Ah voilà. C'est lui, sérieux? Ok. Got it. I should head back to the elevator. Jacob. Y'a un problème. What? Just get up here. You need to see it. Ah monsieur, droite, gauche ou devant? Devant? Ok. Est-ce qu'on fait demi-tour? Non, on va là. Très bien, merci. Merde, c'est quoi ça? Ok. Elevator. Donc vers l'élévator. Mais il y a des trucs de là-dedans ou pas? Ou c'est des, juste des reflets que je vois? Un truc qu'ils auraient dû faire... Ah, c'était peut-être pas des dans Dead Space, maintenant que j'y pense. C'était peut-être pas des ennemis qui réagissent au son, mais peut-être à la lumière. Je m'en rappelle plus, vraiment. Parce que j'étais en train de me dire, ils auraient pu faire des ennemis qui réagissent à la lumière. Genre, si on les vise, ils s'excitent et tout. Ça, ça serait cool aussi. Bon, du coup... Merde. Il est merdé. J'attendais en fait qu'il... D'accord. Bloqué. Et merde, putain, fais chier. J'ai tapé, sans faire exprès, j'ai voulu taper après le coup. J'ai fait de la merde, désolé. Ah, on a ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut prendre la bombe. Après j'ai les batteries aussi. Hein. J'ai mon gant. Il y en a un qui va venir ou pas? Ouais. Oh, il y a une boîte à droite, à gauche, gauche, gauche. Oh la vache! Avec la vue! Avec la visée à la... à la manette! Genre droite, on dirait que j'étais complètement bourré. Ah, ça a fait voler la boîte. Donc, Jacob, pour ça qu'il devrait pas viser en fait, automatiquement les corps au sol. Il devrait taper où je veux taper en fait, où je regarde, simplement. Bon, du coup, on peut descendre de là. Ça irait plus vite.
Attends. Merde! What? Les piques. Je cherchais les piques en fait. Quand j'ai commencé à la gripper l'autre. Je cherchais les piques, je pensais qu'il y en avait d'autres. Ah, elles étaient sur la droite. Fais voir un peu. On est bien. Elles étaient là. Je savais que j'en avais vu sur les côtés. Il est où l'autre là? Mais lui, on l'avait tapé. Ah, c'est peut-être parce que quand on a rechargé, ça n'a pas marché, j'en sais rien. T'es là l'ascenseur? Ah non, je suis teubé, pardon. C'est là. Allez, explique-nous un peu de l'histoire là, que ça nous fasse rêver. Danny, I'm heading up to the tower now. Danny? Where'd she go? Yannick Sage, l'espion. Opération avant-garde, protocole d'investigation principale, surveiller et intercepter toute piste potentielle en rapport avec l'agent pathogène Paramo, Callisto, et d'une importance capitale avec une forte probabilité de découverte. Maintenir la discrétion à tout prix. Est-ce que c'est un peu comme le coup ou quelque chose? Ah oui, ce que je parle. Et Ah, ça c'est des normaux ça. Ça c'est des normaux. Je peux faire. Il y a des pics quelque part? Non, je peux pas revenir, rien. Ok. Est-ce que ceux qui ont muté, on peut les backstab? Bon, ça m'étonnerait qu'on ait l'occasion, mais. Quoique. Oh, et on peut! Ah! Ça tue? Oh la vache, la santé partout. Ah, faut avouer, hein, le jeu il est méga simple, hein, combat. J'ai l'impression, en fait, les combats ils peuvent être, comme j'ai dit, ça peut être horrible, genre ça se passe super mal, vous faites toucher à chaque fois que vous voulez esquiver et tout ça. Vous perdez toute votre vie et c'est la merde. Ou alors les ennemis sont complètement teubés de ouf, quoi. Je sais pas, c'est jamais. Il n'y a jamais de milieu. Non, il y en a toujours un qui doit être au fond là.
Elle est devant là. Enfin, il, elle. Là. Je vais monter de niveau en assassin, quoi. Avec tout ça. High Town, vous êtes là. L'eau de la ville. Danny, you there? Why isn't she responding? Je me demande si le... Hop là. Le mec qui dirige le centre, là, la prison et tout ça, là, peut-être qu'il l'a attrapé, parce qu'il est toujours l'envie apparemment, parce qu'il était... Merde. Chier. Il était là à nous parler. Et il a détruit le vaisseau là qu'on avait appelé. Donc il est bien, bel et bien vivant, il est toujours là. Putain, missing, il y en a plein en fait. Ouais, ça c'est quand ils ont... Il y a eu les créatures qui ont commencé à venir. Ils sont, se sont ou transformés ou ils sont morts. Ah, sûrement un peu des deux. Comparé à, si on compare à ce que disent les gens. Quoi ça, c'est ça? UJC is gathering everybody up in the Hightown Square for vaccination. We're finally getting out of here. Pour la vaccination. Est-ce que ça serait pas un truc anti-vaccin? Le jeu anti-vaccin. Il y avait un jeu qui était sorti et les gens disaient que c'était... C'était pour les woke ou je sais pas quoi. Je sais plus. Et ça avait... Ben, je sais pas, moi j'avais pas compris pourquoi il disait ça. Les... Ah, mais c'était pas Rainbow Six Extraction, là. Genre les gens disaient... ouais, ils font chier avec leur woke et tout. Mais de quoi vous parlez, les gens? Je sais pas. Apparemment, les agents, certains agents ont pas vraiment plu. J'en sais rien, en fait. Rooftop et Bathroom. Rooftop, c'est le toit. Bathroom, c'est le... Les douches. Salle de bain. Bon, y a une bestiole qui est venue là, donc elle doit être quelque part. Bon là. Ah mais c'est une catastrophe hein, de les laisser muter. Hein. Faut pas... Faut même pas faire le tir rapide, là, honnêtement. Faut juste prendre son temps et tirer sur les tentacules quand elles apparaissent. Point barre, c'est faut faire que ça. Donc à la limite, le fusil, c'est pas trop l'arme idéale, en fait. C'est à la limite mieux le magnum, je pense. Étrangement. J'ai plus de réussite à tirer avec le magnum que le fusil. Pas des gens là? Non. Nice. Devinez quoi? On est plein. Par contre, là, je crois qu'on va se soigner parce que... Je... Quoique... On peut peut-être lâcher ça et garder le soin. Ça nous fera toujours 100. Enfin, en théorie, 90. Si ça, ça coûte 10. Non, on n'écoute pas la musique. Sinon, YouTube va pas être content. Come on.
T'es sérieux? Allez, cassez-vous, vous m'agavez. Ça me fait trop utiliser des munitions, c'est ouf. Alors attends. Ça me fait trop de gaspiller de munitions quand ils ont muté. Les machins, ils ont genre 400% ou 500% de vie. Rooftop. Par contre, on a un fusible, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour le toit. Je pense pas avoir vu quelque chose qui a... What the fuck? Y'a un truc derrière moi. Merde! Ok, cool. Oh la vache. On lag un peu. Dis-moi que c'est bon, ok. J'ai essayé de tirer un peu vers le torse parce que les tentacules étaient dans le torse là avec mon tir de réflexe. J'ai l'impression que ou c'était pas assez les dégâts. Ouh, d'accord. Ou c'était pas assez. Le magnum il fait peut-être plus de dégâts au final. Fais voir un peu les stats. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, comme j'ai dit, ouais, le magnum en peut-être une balle il devrait pouvoir les tuer. J-Quam. J-Quam. Il est où J-Quam? Alex Wang? J-Quam. Please! You gotta help me! Sir, I need you to calm down. All systems operating within normal parameters. I need you to calm down and answer the question. Now, when was your first exposure? Ooh, 1500 et 1000. Ah bah ça fait beaucoup là, on a 4997. Ah bah putain. Bon. On peut faire les balles explosives du fusil. Pas complètement certain. Alors après on a l'arme. Donc là c'est augmente la probabilité de viser dans la tête automatique après la fin d'un combo. Ça je suis pas très sûr. La contre-attaque au blocage, la protection de blocage et dégâts au blocage, c'est pas mal. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je crois qu'on va faire toute cette branche en fait. Bon, ça va faire 2 heures, je devrais arrêter. Mais j'ai envie d'aller au toit en fait, voir ce qui s'est passé avec la fille. Thank you, worker. Quality check. Verified. You know, The UJC is not responsible for any defects. Remove item from print assembly. Fait. Ah, le skin change peu à peu, mais c'est très très léger. Eh, on a encore 1000, yay! Bah, très bien. On va garder ça pour le moment. Je sais pas, on va peut-être avoir un... Voilà, un boss. Ah, contre-attaque de blocage. Maintenez le stick analogique gauche enfoncé pour bloquer une attaque de mêlée ennemie. Oui, ça on sait. L'attaque bloquée avec succès causera beaucoup moins de dégâts après avoir bloqué une attaque. Cherchez une occasion de riposter. Les attaques basses infligeront des dégâts et renverseront l'ennemi. Ça marche. Oh, tu... Non, 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 non,
Putain, caméra de merde. Make a selection. Ouais, on va vendre quand même. En garde étroit, c'est parce que s'il y a potentiellement, je sais pas, une menace en fait sur le toit, donc on va voir. Normalement, on aurait on en garde deux maximum. Oh. Quoi ce machin? Donc, il y a bel et bien une menace. Putain, mais on y est toujours pas? On doit être là-bas. Putain. Merde, il y avait une créature, non? Ah non, c'est Dani. Qu'est-ce qu'elle fait? Dani. Dani. Oh wow. Don't go. You can't make me. You killed them all. Wait, wait, wait. No. Stop. Mais elle a une force décuplée, qu'est-ce qui lui arrive? Tu peux faire ça? 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone. Trying to contain it. Everyone. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. They're all connected. Oh merde. Ah non, t'es sérieux? Je suis pas prêt. Oh, me dis pas qu'il va y avoir plein de monstres. Go go go! Putain, t'arrêtes pas comme ça! Oh mon dieu. Ça va. Bon, y'a rien d'autre. Merde! Ok, très bien, j'ai voulu taper en même temps que bloquer, c'était très con de ma part. Bien joué. Enfin, il me faut des pics là. T'es à terre. Ah tiens, c'est Locke qui s'est coupé.
C'est l'œuf qui s'est arraché cette fois. Ça veut dire quoi? Qu'il est plus rapide? Ouais, j'ai l'impression. Attends, elles sont où les piques? Elles sont là. Attends, je vais pas le combattre avec l'autre qui traîne dans les... Merde. Non, c'est... Il est où le monstre qui traîne? Normal, il est pas là. Ah, il est plus rapide. J'ai esquivé sur la gauche, sur la droite, pardon, mais c'est pas grave. Plus de balles. Ah, j'arrive pas à bien viser quoi avec ce. C'est bon. Vraiment de la merde ce boss. Je suis désolé hein, mais c'est de la merde. Hein. Zéro challenge. Hein. Tant que vous avez des munitions, en fait, il y a zéro challenge. C'est le truc, il a pas d'enchaînement. Après, j'imagine que il a des enchaînements, il est beaucoup plus dur. Arrête de sortir un flingue que j'ai pas. Quoi. Vous le combattez alors qu'il a les deux parties, les deux côtés, mais bon. À part ça. Didn't know you could transfer memories like that. These implants are wired into the brain. It's like copying a file. UJC required the miners to get a version of what became the core. So what's it like? Weird. Being two people at once. Attends, où est-ce que tu vas? Eh merde. You were them. Those things. They used to be the miners. The ones who escaped the massacre. Ah, attends, il y a peut-être un objet là. Je peux pas sprinter, hein, désolé. C'est bon, on y va. J'arrive. J'arrive. Yay, de retour en bas. Bah lève-toi. You okay? Yeah. Damn walkway collapsed. The way to the surface is on the other side of the colony. Oh non. Just keep moving and I'll meet you there. Retrouver Danny. Bon, on va s'arrêter là parce que ça me fatigue un peu. Bon, on a fait quoi? On a fait 2 heures, un peu plus même, honnêtement. Bah, c'était cool, il y avait des passages sympathiques. Mais bah, le soi-disant boss, en plus, on a tué deux d'affilée. Enfin, pas d'affilée, mais deux assez vite. Ouais, il fait peur, quoi. Mais honnêtement, le. Ah, un truc qui était bien dans Dead Space, c'est un peu dur. Enfin, j'arrête pas de parler de Dead Space. Je suis désolé, honnêtement, mais bon. Il y avait le. Je sais plus s'il a un nom, mais c'est un truc qui régène, en fait. Qui vous poursuivait en fait. Et il fallait bloquer, il fallait arriver dans une salle où on pouvait bloquer la porte et tout. Et ça c'était vachement cool parce qu'en fait il y avait plusieurs moyens de le bloquer, enfin le ralentir on va dire. Genre on pouvait lui couper les jambes, les bras et tout ça et après il régénérait. Et après on pouvait utiliser la stase, on pouvait le faire exploser et tout ça. Enfin voilà, c'était assez sympa en fait cette course-poursuite j'ai envie de dire.
cette chasse avec lui derrière et tout. C'était vraiment cool. C'était vraiment sympathique. Donc, il était gros et tout. En plus, je me rappelle, un peu blanc gros, là, avec les grosses griffes sur les côtés et tout. Avec, enfin, la place des bras. Et, je sais pas, c'était fun. Là, le monstre, en plus, avec le coup d'esquive, genre droite-gauche, 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 ouais, non, c'était pas trop ça, quoi. C'est des éponges à balles, en plus, en difficile. Donc, tant que j'ai des munitions pour le canon, ça va. J'ai besoin de rien d'autre, en fait. Il faut une trentaine de balles et hop, c'est fini, je pense. Après, c'est du fusil. Mais ouais, c'est un peu bof. Ah tiens, on peut faire ça maintenant. Ah, je peux vous garantir... Attendez. Ouais. Je peux vous garantir qu'on pouvait pas faire ça avant. Ah bah je peux plus le faire, ça y est. What? Y'a un problème avec le menu, je suis pas débile. Ah, il faut aller sur le côté gauche et ça vous indique même pas en fait. Ah, ok. Ouais, c'est un peu étrange. En fait, j'aurais dit que... Vous voyez l'encadrement, la personne d'intérêt? Il devrait... s'éclaircir en fait quand je suis sur le côté gauche pour faire ça, et après une fois que je vais sur le côté droit et que je sélectionne les pages des gens, il devrait s'éteindre en fait, enfin pas s'éteindre complètement mais être moins brillant pour me dire que on peut aller sur le côté gauche, enfin bref, mais ouais, non voilà, c'est bien, ça va, c'était un épisode potable, ça va, je suis content. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, merci beaucoup d'avoir regardé, on a augmenté énormément de choses, je suis content, ça c'est vraiment sympa. Donc ouais, on devient assez puissant. Et on a toujours que deux armes. Parce que c'est les meilleurs. À la prochaine, ciao.